Viens voir mon amour, regarde. Je t'ai fait un super petit déj, assieds-toi. Voilà, un bon petit jus d'orange bien frais, ton petit café, un sucre déjà touillé. Hein. Tu as des petites tartelettes, des pains au chocolat ou sinon des tartines. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu veux que je te dise ce qui me ferait plaisir? Oui. C'est que tu arrêtes de me ridiculiser comme ça devant tout le monde. Qu'est-ce que j'ai fait? On était où hier soir? Ben chez des amis. Chez des amis, qu'est-ce que tu as dit? D'accord, ouais. C'est parce que j'ai dit que tu transpires un peu des pieds. C'est rien, c'était pour rigoler. C'était pour rigoler et t'as dit ça devant qui? Mais devant tes copines. Devant toutes mes copines. Alors à partir de maintenant, tu vas pouvoir préparer un petit déjeuner comme ça tous les matins, compris? Tartine. Fraise, abricot. Fraise. Tes voisins. C'est une tartine, ça. Ça, c'est une tartine, ça? Oui. Non, alors tu recommences. Non. Attends, Alex. Bon, et puis, il faudrait peut-être me parler sur un autre ton aussi, quand même. Oui. T'as bien dormi, ça va? Ouais, super. Un super petit déj. Merci. Jean, franchement, je te l'ai déjà dit 100 fois, ne prends pas ces serviettes-là, c'est que pour les grandes occasions, loulou. Fais attention, mince! Mais oui, pourquoi tu prends pas les serviettes en papier, là? Mais parce que je trouvais ça plus joli. Bah oui. C'est pareil, loulou, regarde, tu sens mes beaux verres, tu prends ma vaisselle design. Je t'ai déjà dit, c'est que pour les invités. Irrécupérable, ce mec, irrécupérable. M'énerve, ça, déjà le matin, là. Alors, comme ça, la journée, merci, hein. Ah, il va acheter ça dans une boulangerie, là. C'est dégueulasse. Tu veux du café, loulou? Ouais. Dis donc, ça t'embête pas de venir me chercher ce soir au bureau? Non, non. T'es sûr, hein? Parce que sinon, je demande à Jeannette. Non, c'est bon. Vraiment, hein, loulou? Oui, hein, Alex, ça la dérange pas, Jeannette? Je prends des cornflakes, finalement, là. Ah bon? Ouais. T'as vu le temps qu'il fait? C'est un temps bizarre, je trouve, en ce moment. On sait plus comment s'habiller, hein? Oui. C'est vrai, hein? Ouais. Franchement, hein, on en parle avec Jeannette, hein, on se dit, qu'est-ce qu'on met? On met un pantalon, on met une jupe, on sait plus. Ouais. Des pulls, on sait pas. Vraiment, on sait pas. Tu sais, je repensais aussi à la peinture. On en parlait hier soir. Moi, j'ai vraiment envie de changer cette couleur. Je la supporte plus. C'est trop... Tu vois? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu me regardes comme ça? T'es d'accord? Hein? Oh là là, j'ai fait un rêve horrible cette nuit, un cauchemar. Ouais? J'ai rêvé que tu partais avec Isabelle. Isabelle? Bah Isabelle, ton assistante. Avec qui je travaille? Bah oui. Ah ouais. Oh, c'était horrible, t'étais en train de faire tes valises, elle était là avec ses grandes jambes, là, ça s'est mis plein les fesses, puis elle te disait, viens Jean, viens. Et moi je disais, non, pars pas loulou, pars pas, je t'aime, reste avec moi, je t'en prie, pars pas, tu me regardais même pas, tu t'en foutais complètement, c'était... Non, t'es mis pas loin d'état pareil, chouchou, c'est qu'un rêve. En plus, Isabelle n'a pas de cellulite. Bah c'est sympa. Flash sur Radio 22. Radio 22.
Aujourd'hui, conditions anticycloniques sur la plus grande partie de la France. Grand soleil sur tout le pays avec des températures supérieures à la moyenne saisonnière. Bon, ben j'y vais, moi, Loulou. Ouais. Assoir. Ouais. Petit bisou. Attends, oh, tu vas pas sortir comme ça, là. Bah pourquoi? Bah pourquoi? Parce qu'ils ont annoncé de la pluie et du vent frais toute la journée. Hein. Ah bon? Ah ouais, fais gaffe, bah, ouais. Mais hier soir, ils ont dit qu'il allait faire super beau. Mais non, mais tu sais ce que c'est, la météo, il se gourre tout le temps. Et ça, tout le temps, c'est changeant. Enfin, c'est pour toi, je dis ça, moi, si tu veux te choper la crève. Hein. Bon, bah, je vais changer, alors. Bah, ça serait mieux, ouais. C'est dommage. Bon, je vais changer. Mais n'importe quoi, là. On va faire un défilé ou quoi? T'as qu'à mettre ton gros pull en laine et ton pantalon en velours là, t'es bien là-dedans. Hein. Salope. Bonjour mon amour. Y'a pas de sucre là-dedans, c'est dégueulasse. Bonjour mon amour. D'ailleurs, tu passes au pressing aujourd'hui, récupère les chemises où j'y vais. Bonjour mon amour. Quelle heure il est là? Bonjour mon amour. Mes clés, putain, j'avais mes clés ici, elles sont où mes clés? Alors Loulou, oui j'avais mis du sucre dans ton café, mais comme tu n'as pas pris le temps de remuer, tu t'en es pas rendu compte. Il est exactement 9h37, oui je passerai récupérer tes chemises au pressing. Et voilà tes clés mon amour chéri que j'aime à la folie. Qu'est-ce que t'as d'être désagréable comme ça là? T'as au pas ou quoi? Pourquoi ces humeurs là? Allez, bicou. Salut. Au revoir, mon amour. Isia. Tu cries pas, hein? Non. Oh non, Loulou. Ouais, mais j'ai pas fait exprès. Oh là là, en plus, je tiens vachement. Mais ouais, mais il était bancal. Mais oui, mais tu fais attention à rien, non, qu'est-ce que tu veux glissé, que je te dise? Tu sais ce que ça veut dire, ça? Quoi? Ça veut dire 7 ans de malheur. 7 ans de malheur? Bah oui. 7 ans de malheur? Oh. Ça veut dire que je reste encore 7 ans avec toi, putain. La vache. T'es bête. Et c'est rigolo quand même. C'est marrant, hein? On s'en fout alors, hein? Aïe. Aïe, mais t'es con, tu m'as fait mal. Mon loulou, j'ai des courses à faire avec maman, alors je suis déjà partie. Je t'ai préparé ton petit déjeuner adapté à notre nouveau régime. Je t'aime, à ce soir. Beurre allégé des biscottes. N'importe quoi, j'ai pas bouffé ça, moi. J'en étais sûre. Alors je te tends un piège. Comme un gosse, tu tombes dedans. Non. Dis donc, ça a l'air super bon, ça. Mm-hmm. Ouais. Bon. Demain, c'est régime. Okay. Attends. Attends, tu peux m'en donner un petit peu quand même. Non, tu peux m'en donner un petit peu quand même. Mais oui. Là, je devais être triste de... Loulou, est-ce que tu serais prêt à donner ta vie pour sauver la mienne? Bien sûr. Oui. Oui, mais si j'étais très malade, est-ce que tu serais prêt à faire un don d'organes pour moi? Ça, c'est pas pareil, en fait. Pourquoi? Ben, si tu veux, vivre avec toi, c'est déjà super difficile. Mourir pour toi, passe encore. Mais vivre à l'intérieur de toi,
Je crois qu'il y aurait rejet. Je préfère te dire non. Ouais. Non. Il reste des pruneaux. T'as vu? J'ai préparé le petit-déj. Ouais, je vois ça, ouais. Assieds-toi. Voilà. Dis donc, t'es beau ce matin. T'as bonne mine, hein? Ah bon? Ah ouais, c'est vrai. Merci. Tiens, je t'ai préparé une tartine. Qu'est-ce qu'il y a, là? Rien. Non, simplement, je me dis que j'ai vraiment de la chance de vivre avec quelqu'un comme toi, tu vois. Ouais. C'est les soldes. Okay. C'est pas très beau ce que je fais. Non, on en peut tellement, non? Non. Mais en même temps, tu comprends tellement les femmes. Mmh. T'es tellement sensible. Ouais. Tu me comprends tout de suite. C'est du fou. Tu sais ce que j'aime le plus chez toi? Non, c'est bon, ça va, là. Ça va. Ouais. Bon. Bah, merci quand même. Oui. Salut, Loulou. Gamine. Et le café? Bah, t'es pas encore habillée, Loulou? Non. Mais c'est pas ce matin que t'avais rendez-vous avec tes clients allemands? Bah si. Mais qu'est-ce que tu fous alors? J'y vais pas, j'y crois pas à ce dossier-là. On va se planter, on va se faire laminer. Oh non, Loulou, si, j'aime pas quand tu dis des trucs comme ça. Il vaut pas un clou le dossier, Alex, je le sais. Puis si on n'a pas le budget, je peux mettre la clé sous la porte, hein, c'est bon. Je suis une merde, là, je sens rien, je suis non, fini. Non, c'est pas si, vrai, Loulou. Fini, non, t'as fini, pas le droit de dire ça, t'es le meilleur. Et puis même si tu mettais la clé sous la porte, même si tu perdais ton boulot, c'est pas grave, je t'aimerais autant, moi. C'est vrai? Mais bien sûr que c'est vrai. Attends, c'est pas grave si un mec perd son boulot. Ouais. Moi, j'ai un très bon salaire. On peut très bien vivre sur mon salaire. T'imagines, tu resteras à la maison, tu t'occuperais des enfants, du chien, des poissons rouges. C'est pas génial, ça? Tu sais qu'à partir de 4 enfants, les aides sont super intéressantes. Ouais. T'aurais plus besoin de bosser, Loulou. C'est génial, tu resterais là. Hein? T'as raison. Ouais, c'est toi qui as raison. C'est vrai? C'est décidé? Ouais, c'est décidé. Ouais. Je vais prendre une douche, m'habiller, et je vais le gagner, ce putain de dossier. Ouais. Qu'est-ce qu'on fasse? Y a plus de café. Bon, écoute, c'est pas grave. On boit pas de café. Ça énerve. T'as raison. C'est vrai, le café, ça énerve. Ouais, ouais. Surtout qu'il y en a pas, putain! Viens, on va au café du coin. Oui! Mais j'ai dû faire des choses atroces dans une vie antérieure. Je te paye aujourd'hui, c'est pas possible. Qu'il y a quoi? T'es mon fardeau, t'es mon boulet. Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai fait là? Tu oses me demander ce que tu as fait? Oui, dis-moi. Mais combien de fois je te l'ai répété? Mais quoi? Combien de fois je te l'ai répété que je t'aime, imbécile? J'ai eu peur un peu, hein? Non, j'ai pas eu peur. Si, t'as flippé. Bah, pourquoi j'aurais peur? J'ai si, pas peur. T'as eu peur. J'ai pas eu peur, pas du tout. Ou alors t'as quelque chose à te reprocher? Non. Bah si. N'importe quoi, Bah, Jean, si t'as eu peur. Non. Jean! Bah quoi? Jean, viens ici! Jean! Je suis à la bourre. Merde, Alex, faut nettoyer là, avant de glisser. N'importe quoi. T'avais des clés, elles sont où? Mais je sais pas, Loulou. J'ai posé mes clés ici, Alex, je le sais, comme elles sont où? Bah, je sais pas où est-ce qu'elles sont, hein. Oh putain, je sais pas, il y a des matins comme ça. Elles sont où ces clés là? C'est bon, elles sont là, deux secondes. Voilà, tiens. Le croissant, tu l'as bouffé ou quoi? Bah non, je. Je viens de poser mon croissant ici. Bah non, Loulou, il serait là sinon. Bah où qu'il est? Bah je sais pas. Eh voilà, putain de merde. Tiens, là-bas, tu l'as mis là-bas, regarde. Mais pourquoi tu l'as mis là-bas, toi, le croissant? Plus je suis à la bourre avec tous ces. Putain de merde! Qu'est-ce que tu fous là, ce tabouret? Téléphone. Allô? Oui!
Bah très bien, mais c'est à toi qu'il faut demander ça. Oh putain. Oh bah génial. Super. Ok, à tout à l'heure. Bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. C'est maman, c'est bon, elle est guérie, je vais la chercher à l'hôpital. Et encore une tuile, putain, quand c'est la mère, c'est la mère. Hein. Salut. J'ai pas envie de la voir aujourd'hui. Qui ça? Brigitte. Encore, ça fait une semaine que tu m'en parles, Brigitte, ça va? Bah évidemment, ça fait une semaine qu'elle est au bureau. Tu verrais comment elle fout la merde. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'énerve. Elle mesure 1m75, elle a des jambes sublimes, tu vois. Elle a une dentition parfaite, des yeux magnifiques, une chevelure de princesse. Ah ouais. En plus, elle est bardée de diplômes. Ah oui, genre, ouais, d'accord. Et le pire, le pire, c'est qu'elle est super gentille avec moi. Tu vois? Ouais. C'est louche, ça. Ouais, c'est louche. Ouais. C'est quoi? Elle serait jalouse de toi, ça m'étonnerait pas. Tu vois? Tu vois? Ouais, t'as raison. Mm-hmm. Mais bien sûr, mais comment j'ai pu ne pas y penser? Ça m'étonne. Mais oui, t'as raison, bien elle sûr. Est jalouse de moi. Mais ouais. C'est clair, elle est jalouse de moi. Marc, je m'en doute un petit peu. Ouais, ouais, c'est clair. Elle est jalouse. Dis donc, si je passe te prendre ce soir au bureau, là, ça te dérange pas? Bonjour mon amour. Salut. Tu me fais pas un petit bisou? Tu te malades avec tes bisous mouillés le matin comme ça, c'est chiant. Dis donc, t'aimes pas mes petits bisous coquins? Si, pas ce matin. Tu disais pas ça hier soir. Oui, c'était hier soir, ça va. Arrête, allez, tu veux manger, s'il te plaît. Arrête, allez. C'est... Je vais tout te donner. Hey, t'as vu, il y a Johnny et Laetitia, ils ont acheté un troisième chien. C'est un Rottweiler. C'est sympa, les Rottweilers. Hein. C'est pas vrai? T'entends ça? Il y a Tom Cruise et Penelope Cruz qui vont se marier. Excellent! Elle a même pas changé de nom, en plus. Oh, c'est excellent. T'en as pas marre de lire ces conneries, là? De quoi? Ben ça, là, c'est nul, ça. C'est fou. Ça, c'est nul? Non, excuse-moi, on apprend plein de choses. On s'en fout de leur vie, Alex. Non, on s'en fout mais pas. Mais si. Non. Mais quoi? Mais attends, toi, quand tu rentres du boulot et que tu me racontes tous les cancans, là, quand tu me dis Pierre Cyril a fait ci, Pierre Cyril a fait ça. Attends, excuse-moi, c'est exactement mais la même ça chose. Ça n'a rien à voir. Si. Mais non, ça n'a rien à voir. Pierre Cyril, je le connais. Tom Cruise, tu le connais pas, banane. Je connais pas Tom mais Cruise. Non, mais non, tu le connais pas. Moi, je connais pas Tom tu Cruise. Tu ne connais pas Tom Cruise. Ah si, je connais Tom Cruise. Mais alors, excuse-moi. Mais tu le connais à travers tes putains de magazines. Tu le connais pas. Tu le connais pas personnellement. Si, je connais très bien Tom Cruise. J'ai jamais pris de café avec lui. Tu le connais pas intimement, ce que je veux te dire. Je connais très bien Tom Cruise. Okay, attends. Alors, ok, toi, tu le connais. Ouais. Mais lui, il ne te connaît pas. Donc, vous ne vous connaissez pas. Tu comprends? Tu comprends? Oui. Oui, mais toi, quand tu me parles de Pierre Cyril, moi, je le connais pas, Pierre Cyril. Tu m'en parles, mais moi, je le connais pas. Bon, ben, je me couche chez moi. Bah, c'est pareil, hein. Moi, je connais pas Tom Cruise. Moi, je connais pas Tom Cruise. Alors, celle-là, c'est la meilleure, celle-là. Moi, je connais pas Tom Cruise. Mais je connais toute sa vie! Ouais, hein. Moi, je connais pas Tom Cruise. Racontez ça à Jeannette, elle y croit pas. Moi, je connais pas Tom Cruise. Qu'est-ce que tu regardes, là? Rien. Ah ouais? Qu'est-ce que t'as à me surveiller? Mais je te surveille pas, Loulou! Si, tu me surveilles, là, si, tu me surveilles, t'es en train de m'épier, là, regardez, si je fous pas des miettes ou du beurre dans la confiture, c'est chiant, là, arrête, ça va! Mais n'importe quoi, mais t'es malade, toi, hein, t'es complètement parano, ouais, hein! Ouais, je suis parano, ouais. Oh! Connais, hein. Je te vois, Alexandra.
Je te vois, là. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, débat, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? C'est parce que t'as mis un petit peu de beurre dans la coupe. Eh ben voilà, voilà. Mais moi, ça me fait pas, papa. Ça fait 7 ans qu'on vit ensemble, ça fait 7 ans que tu me fous, tu m'es pas comme une voilà. Journée comme ça. Fais ça. Oui, ça me gonfle. Je me casse. Casse-toi. Voilà, c'est ça, rachète ta mère. Prends ta valise. Je vais péter les couilles, là. Bonjour mon loulou. Ça va, t'as bien dormi? Hein? Dis donc, je pensais à un truc. Tu veux pas qu'on se retrouve à midi et qu'on déjeune ensemble? Hein, on est amoureux. Tu sais, au petit resto qui est juste à côté du boulot, là. Hein, loulou? Hein? Mais Gustave, pourquoi tu réponds pas? Je déteste parler au petit-déj. Ah bon? Ça fait 7 ans qu'on est ensemble, loulou, et tu me l'as jamais dit. Oui, parce que je déteste parler au petit-déj. C'est tout. Ouais. Ah non, c'est pas du café, ça. Excuse-moi, je vais t'en faire un, mon amour. T'énerve pas. Bon, coucher. Salut Lou. Oui. Bien dormi? Ah cool, il y a un cadeau dedans. C'est quoi? Hello. Hello. Tu permets? Merci. Oh non, je l'ai celui-là déjà. Oh mais tiens. T'as pris du lait de soja. Tu peux pas acheter du lait de vache, du lait normal? Mais oui, mais c'est très bon pour la santé et en plus c'est bourré de protéines. On fout. C'est quoi ça, ce pain là? Pourquoi les couleurs? Loulou, c'est à base d'algues et de soja. Mais c'est n'importe quoi. On peut pas bouffer normalement cette baraque là. On est obligé de se taper ces conneries, on n'est pas des japonais, ça va. Et ça, c'est quoi ça là? Ce truc, c'est bio? Ça, c'est de la crème fabriquée par les insectes. Ah bon? Ça s'appelle comment? Du miel. Du miel. Du miel des abeilles. D'accord. Bah oui. Oui. Du miel. Une conjoncture difficile pour les marchés européens après la chute des cours du brut. Le cours du baril. C'est pas beau cette couleur, hein. J'aime pas, moi. Non, c'est vrai, c'est pas terrible. Non, on s'est planté. Ouais, faut repeindre. Faut tout repeindre. Mm-hmm. Blanc, absolument. Simple, oui, sobre. Oui, sobre. Dis donc, tu finis à quelle heure, toi, ce soir? 17h. À 17h? Ouais. Ça te fout les boules, je t'ai mis devant toi. Hein. Attends, pas du tout, chouette. Pourquoi chouette? Bah, tu sais que tu es l'heureux gagnant du jour. Pourquoi? Bah, t'as oublié notre petit jeu? Qui finit plus tôt, fait les courses. Oh, eh, oui, non, j'avais complètement oublié, merde. Allez, bonne journée. T'es mignon. Oh merde, non. Oh non. Pas le temps. Bonjour. Non. Non, je suis pas réveillée là. Non, c'est pas possible, je rêve. Quoi? Jean n'a pas pu préparer le petit déjeuner, c'est impossible.
Non, il faut absolument que j'aille me recoucher. Oula, oula, ça y est, je rêve. Oh, je dors. Ah, c'est pas drôle, là, viens là. Oh, non, 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 je me casse le cul, viens là.